Eh bien, bonjour à tous, je vous passe le petit bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle astuce. Cette astuce consiste à désactiver la sauvegarde. Et oui, la sauvegarde automatique. La sauvegarde automatique sert au cas où si votre ordinateur perd certaines informations, cette sauvegarde-là va vous permettre de récupérer les informations perdues. Et cette sauvegarde-là, certains ils en ont pas besoin parce qu'ils ont par exemple des disques durs externes et tout, et qui peuvent enregistrer des certaines choses là-dedans. Cette sauvegarde est possible d'être désactivée. Parfois, vous pouvez le désactiver dans le menu démarrer, mais il n'est pas désactivé définitivement et peut revenir à un certain moment. Cette sauvegarde-là, on peut la désactiver définitivement. C'est très simple. Vous allez dans le menu démarrer, vous tapez CMD. Là, vous tapez en clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Puis là, une petite fenêtre noire qui vous affiche. Alors là, c'est très simple. Je vous ferai un petit agrandissement pour que vous pouvez le lire. Donc moi, je me sers d'un petit bloc-notes pour retenir, parce que c'est assez dur à retenir tout ce qu'il y a à écrire. Vous tapez F, en minuscule, pardon. FS, ah, mince. FS utile, voilà, espace, B, masse, BA, BE, 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 A, BE, H, A, Fior, ah, j'enlève ma souris, sinon ça va gêner, sect, disable, pas d'espace, hein. Mettez pas d'espace. 8 dot 3 puis espace 1. Vous appuyez sur entrée. Ah mince. Attendez, j'ai fait une petite faute dans Behavior. Ah le 7. J'ai oublié de mettre un espace au 7. Voilà. J'ai oublié de faire un espace au sect. Entre Behavior et 7, faites un espace, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, cette sauvegarde désactivée. Normalement, pour vous, vous aurez peut-être un OK. Moi, il n'y a pas parce qu'il a déjà été fait 3 fois. Parce que j'avais déjà fait une vidéo, mais elle a été ratée. Donc j'ai dû recommencer la vidéo. Donc j'ai pas le OK, vous inquiétez pas. Bon, pas le OK, mais le OK, bien sûr, au cas. Donc j'espère vous avoir aidé sur cette nouvelle astuce. Et tout, passez là à plein d'autres si vous voulez. Hein. Dites-leur si tu veux désactiver la sauvegarde, vous avez une petite vidéo ici, regardez-la et tout. Partagez, abonnez-vous et likez. Mettez un petit j'aime, un petit pouce vert, ça m'encouragera. Et tout. Donc on dit à très bientôt pour une toute nouvelle astuce. Allez, à très bientôt. Ciao!